c'est toi qui pèse sur la ligne de hors-jeu. Donc un maul, c'est... Une action de jeu qu'on finit quand on fait une touche. Après une touche, quand les joueurs, le joueur porté il tombe par terre. Un joueur de l'équipe en face et un troisième joueur en soutien. Donc c'est trois joueurs, un porteur de balle, un soutien. C'est une faute, si on donne un coup de pied dedans, c'est une faute. C'est-à-dire qu'on doit pousser et on pourra récupérer le ballon une fois que le joueur est passé au-dessus du ballon par quelqu'un qui sera derrière. C'est mêlée ouverte. On a un joueur qui est plaqué au sol, un joueur qui plaque, un joueur qui est plaqué. Souvent quand quelqu'un se fait plaquer, qu'elle est au sol. C'est un joueur de chaque équipe au-dessus du ballon. Et en fait, on n'a pas le droit de talonner le ballon, on doit gagner le ballon à la poussée. Et qui pousse ou qui protège la balle pour jouer et continuer le match. Numéro 9 qui va venir relayer le jeu. Et voilà.